Amicia, tous ces gens. C'est ma faute. Pas du tout. On sait tous ce qui s'est passé là-bas. N'y pense pas trop. On retourne à la carte. C'est pour ça que t'es là. Ça sera bientôt fini, Hugo. Les rats ne laisseront pas faire. Ils sont contents maintenant. Les rats n'auront pas d'autre choix que d'aller au diable. Ils vont se défendre. C'est rien que des animaux stupides, Hugo. Nous, les trois humains, malins et forts. Je sais pas. Dis-moi vers quel bras de vie tu veux aller. Je dégagerai un chemin. Sophia, ouvre-nous un passage. Restez dans la lumière. Ça ira comme ça. D'accord. Restez avec moi. Sophia, ouvre-nous un passage. Restez près de moi. Arrête maintenant. Bien. Ouvre-nous la voie, Sophia. Restez dans la lumière. C'est bon, tu peux lâcher. Bien sûr. Pour nous. Restez près de moi. Attends, ne va pas trop loin. Il commence à faire trop sombre. Ça ira comme ça. D'accord. Ouvre-nous la voie, Sophia. Restez dans la lumière. Mon prisme reçoit peu de lumière. Sophia, ouvre-nous un passage. Restez près de moi. Viens, tu peux lâcher. J'y vais. Sophia, éclaire le chemin pour nous. Restez avec moi. Ouvre-nous la voie, Sophia. Restez près de moi. Restez à distance. On va vous aider. Il y a quelque chose sur le sol. Une poutre. Ça paraît lourd. Il faut trouver un moyen de la bouger. Ne va pas trop loin, il commence à faire trop sombre. C'est bon, tu peux lâcher. Bien.
Sophia, éclaire le chemin pour nous. Restez près de moi. Charrette peut servir, non? Une poutre. Ça paraît lourd. Il faut trouver un moyen de la bouger.
Restez avec moi. Attends, ne va pas trop loin. Arrête maintenant. J'y vais. Tenez-vous prêts. Restons à proximité. Juste sous notre nez. Alors, Basilius, où es-tu? Où est-ce que tu caches ton trésor le plus précieux? Sous terre. Oui, il doit être juste en dessous. La carte pourrait être le point d'accès. On va la briser. J'ai l'impression. Dire que cette île, c'était juste un point sur une carte pour moi. En y repensant, nous, on ne savait même pas qu'elle existait. Reste là, d'accord? Prête. Pousse. Ça fait un bien fou. Pauvre carte. Oui, c'est dommage parce qu'elle était très vieille. Ouais. Allez, viens.
Une galerie. Ils l'ont condamné. Mais pour quelle raison? Allons voir. On y est. Viens! Il fait trop nuit. Mais la nuit a peur de toi aussi. Un peu de lumière, et elle disparaît. Descends, ça va aller. Regardez, ça mène quelque part. C'est ici. Je le sens. Personne n'est venu ici depuis très longtemps. Ne me lâche pas la main. Bien sûr que non. T'inquiète pas. Il fait de plus en plus noir. Je vais nous éclairer. Je veux bien. Attendez, il se passe quelque chose. Oh, pitié, non. Bonté divine. Regardez la taille de cet endroit. C'est quoi, ça? Une espèce de temple. On dirait, oui. Sur le sol, regardez. C'est encore le symbole de l'ordre? Oui. C'est bien ici. Basilius est là. Quelque part. Regardez cette porte. Quel chaos. Que s'est-il passé ici? Ces traces. Il y a eu une explosion ici. C'était un accident? Je dirais qu'on les a faites sauter. Oui. Quelqu'un voulait vraiment rentrer. Allons voir le reste. Il y a eu une autre explosion ici aussi. La porte est détruite. C'est forcément elle. Aelia. Elle s'est enfuie de la chapelle. Elle a détruit tout ça? Elle voulait reprendre Basilius. Elle a forcé le passage. On est sur sa piste. Il y a un espace derrière. Essayons de passer. On va vraiment passer par là? Ne t'inquiète pas, ça tient depuis des siècles. On s'enfonce encore. J'espère qu'on va la retrouver quelque part. On verra bien. Attention en descendant. Oui. Un glissement de terrain. Si c'est Aelia, elle a tout mis sans dessus-dessous. Elle avait peur pour Basilius. Elle avait raison. C'est coincé. Hé, attendez. Ces barils, ils sont remplis de feux grégeois. C'est pas une arme, ça? Pas toujours. Ils devaient s'en servir pour maintenir leur feu allumé. Il y en a un encore scellé. Tu penses que ça peut exploser? Dans un baril comme celui-là? Ouais. Essayons sur cette porte. Pour de vrai? Ces murs ont résisté assez longtemps. Mais... je m'y connais pour faire exploser des choses, crois-moi. Là! Tous aux abris. Amicia, tu t'occupes de l'enflammer. Est-ce qu'on est assez loin, là? Oui. Baisse bien la tête, surtout.
La porte est en piteux état. Jetons un coup d'œil. Oui, des oiseaux des grottes. Ça veut dire qu'on n'est pas seul ici. Et il n'est pas seul non plus. Exact. Continuons. Et peut-être qu'on le croisera. Si on n'a pas eu trop peur. Oui. Exploser cette porte aussi. Un baril. Mes oreilles. Mon sang. Tout le monde va bien? Je crois. La voie est libre. On y va. Des morts. La garde de l'ordre, sans doute. On a retrouvé la piste d'Aelia. Elle aimait pas faire de prisonniers. Elles l'ont poussée à bout, j'imagine. Je crois qu'elle est passée par ici. Regardez. Il y a un autre baril de feu grégeois sur le chariot. Oh ! Ça a l'air dangereux. Là, une manivelle. Voyons voir. Elle ouvre la herse. La charrette va rouler. Eh bien... C'est parti. C'est ouvert, je crois. Tu sais, je commence à la voir en toi. Aelia. Parce que je suis aussi désespérée qu'elle. Parce que tu n'abandonnes jamais. Oh, bien. Oh, wow. Comment est-ce possible? C'est quoi cet endroit? Cette porte là-bas va vite nous le dire. On devrait pas être ici. Eh ben, on y est. L'ordre sait comment y faire avec les rats.
Viens, voyons voir. Viens, on peut aussi les pousser. Tu m'aides ? Bien sûr. Oui. Allez. J'ai vu ça avant, à l'autre bout du pays. C'est pas une coïncidence, j'imagine. Non, c'est la macula qui relie tout. Voilà, c'est fait. Bon sang, les rails sont endommagés. Sophia, éclaire le chemin pour nous. Restez dans la lumière. Ça ira comme ça. Bien. Réalise combien de fois ces rats ont essayé de nous attraper. Oui, beaucoup. On a toujours été plus malins qu'eux. Parce qu'ils ne tiennent pas les uns aux autres. Mais nous, oui. Exactement. Il n'ira pas plus loin. Hé, il y a un rail qui mène droit au pont. Mais cette épave est pile en plein milieu. Laisse-moi voir. Changeons de direction. On est en sécurité. Tant qu'on a ces feux. Oui. Tout ce feu grégeois, je comprends maintenant. Le pont est juste après. Mais cette épave bloque le passage. On peut l'enlever? Je sais pas. Il faudrait voir ce d'un autre angle. Revenons en arrière. Arrête maintenant. J'y vais. Ouvre-nous un passage. Restez dans la lumière.
Attends, ne va pas trop loin. Il faut... Ouvre-nous la voie, Sophia. Restez près de moi. Bien sûr. Oh. Plus d'épave de chariot. Il n'y a plus qu'à rejoindre cet autre rail. J'ai hâte de voir ce qu'il y a de l'autre côté du pont. Vous êtes sûr que ce porteur est la réponse à vos questions? C'est évident, non? Tout conduit ici. Aelia nous a menés ici. Ces gens sont morts, ils ne peuvent plus aider personne. Mais c'est tout ce qu'on a. La vérité. Sophia, éclaire le chemin pour nous. Je veux pas connaître la vérité, Amicia. Ah, vous deux. Comment tu te sens, Hugo? Je me sens bizarre. Bizarre comment? Allez, Hugo, on y est presque. Comment tu peux en être sûr? Parce que cet endroit... Je le sais, c'est tout. Je sais que le porteur est la raison pour laquelle Hugo a rêvé de sortir. Mais surtout, je sais qu'on n'a pas d'autre choix. C'est bien. Non. Je suis vraiment désolée. Mais il faut qu'on le fasse. Oui. Ne t'énerve pas. Je suis pas énervée. Ne sois pas. On y est. On a réussi. Enfin. Bien joué. Oui. Continuons. Encore des gardes de l'ordre. Je n'arrive pas à croire qu'elle les a affrontés seules. Cette fille devait être une redoutable guerrière. Elle était engagée corps et âme. Et il était tout pour elle. Et il souffrait, il était en danger. Elle le savait. Tu sais ce que c'était? Je sens juste la nuit. Comme dans mon rêve. Quand je mourrai. Seigneur, j'espère qu'elle a réussi. Pitié, donnez-nous une piste. Protéger un, protéger tous. C'est ce qui était écrit dans la chapelle du fort. C'est elle. Aelia. La protectrice du porteur. Elle leur en a vraiment fait baver. Mais elle est morte seule. Qu'est-ce qu'il y a, Hugo? Je veux pas que tu meures. Je suis vivante. Je suis vivante. Allez, t'es un grand garçon. Allons donc voir cette porte. Hmm? Je sais ce que ça fait. De se battre seul. Se battre pour ne pas être seul. J'espère que tu as trouvé la paix, où que tu sois. Tu sais comment on va s'y prendre pour ouvrir ça? Je veux qu'on parte. Quoi? Après tout ce qu'on a fait? Allez. Tu te sens un peu mieux? Pas trop. Hé, on est tous épuisés. Mais on est ensemble, pas vrai? Bon. Ouvrons cette porte. Sophia, tu peux t'en occuper? C'est comme si c'était fait. Celui-ci.
aussi brûlée par du haut et du bas. Cette chose qui sort du sol, c'est une manivelle? Je pense que oui. Quelque chose sort du mur! Je pense que c'est un frein pour maintenir la barre en place. Je peux peut-être vous aider? Bon, c'est un début. Ça fait bouger les barres du milieu. C'est bon, arrête. D'accord. Vas-y, Hugo. J'ai besoin de toi, Sophia. Avec plaisir. Tu peux arrêter maintenant. Tout de suite. J'ai besoin d'un coup de main, Sophia. C'est parti. S'il te plaît, me laisse plus. Occupe-toi de ça, Hugo. D'accord. Arrête. C'est comme si c'était fait. C'est bon, arrête. Hugo, j'ai besoin de toi. Tout de suite. Tu peux arrêter maintenant. D'accord. Sophia, tu peux t'en occuper. Avec plaisir. Vas-y, Hugo. Arrête. C'est parti. J'ai besoin de toi, Sophia. D'accord. C'est bon, arrête. C'est comme si c'était fait. Il va nous falloir de l'aide pour ouvrir cette porte. Je te laisse faire, Hugo. Tout de suite. J'ai besoin d'un coup de main, Sophia. C'est parti. Tu peux arrêter maintenant. D'accord. Un chariot. J'ai besoin d'aide pour garder ça ouvert. Sophia, tu peux t'en occuper? Avec plaisir. Bien.
un poteau attaché au chariot. Il doit y avoir une raison. Tu peux laisser tomber. C'est comme si c'était fait. Sophia, je compte sur toi. D'accord. Ça marche. Une barre de fête. Passons au reste. C'est parti. J'ai besoin d'un coup de main, Sophia. Avec... Hugo, j'ai besoin de toi. Oui. Est-ce que c'est bon? On peut lâcher. Ce levier est totalement sorti du sol maintenant. Essayons-le. Ouvrons cette porte, Sophia. Je suis un peu nerveuse, pour être honnête. Cette fois, on y est. Oh! C'est quoi cette odeur? Elle ne devrait pas être ouverte. On peut encore la refermer. Non. On trouvera Basilius. Oh, bonté divine. J'aime pas du tout ce que je vois, là. Ça descend. Plus profond. On peut partir, Amicia. Non. Non, non. On franchira cette porte, tous ensemble. On y est. Si tu veux faire demi-tour, Sophia. C'est le moment. Allons-y. Je veux repartir. Je t'en prie, Hugo. Oh. Oh. Qu'est-ce qu'on respire? Un hydra. Mais l'air est plus épais. Il est là depuis longtemps. Depuis Basilius? Je pense... Oh. Je me sens bizarre. C'est ta tête. Il y a... du bruit. Courage. C'est quoi ça? C'est pas très accueillant. Allons voir. Je vais m'y prendre pour les rejoindre. Oh, mais ces chaînes, tes contrepoids, ils soulèvent les parties du pont.
contrôle le pont. Il manque une autre partie. Par là. Très bien. Je vais continuer et voir ce que je peux y faire. T'attendra. Allez. Il va lui arriver quelque chose, Sophia. Tout va bien se passer. C'est la jeune fille la plus débrouillarde que je connaisse. C'est vrai. Mais elle est toute seule et ils sont beaucoup. Tu la connais. Elle a déjà fait ça plein de fois, non? Elle est tenace, bien plus que lui. Oui. C'est terrifiant tout ça. Moi aussi, je suis terrifiée. Mais ça veut pas dire qu'on n'est pas assez fort, pas vrai? T'es vraiment terrifiée? Oui. Mais que ça reste entre nous. Hey.
va bien. Laisse-toi aller. Vous voulez qu'on fasse une pause? Non, il vaut mieux y aller. Je suis là maintenant. En route. Je me sens triste. J'ai peur, Amicia. Je sais. On a traversé beaucoup de choses. Mais c'est comme si... s'il y avait quelqu'un dans ma tête. C'est... Basilius? Peut-être. C'est très lourd. J'ai peur. Ça veut sûrement dire qu'on se rapproche. La fin du pont. Il est temps de voir où ça mène. Oh, cette odeur, c'est... étouffant. Oh. Non, c'est mal. C'est très mal. Qu'est-ce qui se passe? C'est là, Amicia. Je veux pas. Mais il le faut. Il le faut. Oh, ça me dit rien qui vaille. Seigneur, on dirait... une cathédrale. Ils ont construit ça pour lui. Alors, il est en bas? Oui. Au cœur de tout ça. Ça ressemble à ce que le dernier seuil provoquerait. Aelia n'a pas réussi à le rejoindre. Et voilà ce qui est arrivé. Et alors? Il s'est passé quoi? Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Je veux pas savoir. Il le faut. Il t'a amené ici. C'est... ton héritage. Je veux pas d'héritage. Je veux être normale. Hugo, pour que les choses reviennent à la normale, tu dois vivre. C'est ce que tu veux, mais je continue à tout gâcher. Mais tu ne le fais pas exprès. Tu es juste un enfant. Il y avait des enfants dans la ville rouge aussi. Je sais que c'est dur, Hugo. On se connaît pas très bien, toi et moi. Mais je sais que tu mérites une seconde chance. Même si on doit aller en enfer pour la saisir. Oui. Ma tête... c'est de plus en plus fort. Je veux qu'il sorte de ma tête. On y est presque. S'il se trouve ici, alors ce qui peut te sauver aussi. À quoi ça sert? Si je finis encore par tout casser? Arrête. Tu dois me faire confiance. Je peux pas. Amicia! Sophia! Petit trésor. Je sais. Non, tu sais pas. Pourquoi tu fais ça? Amicia. Viens, je vais te porter. On va le faire ensemble. C'est trop pour lui. Je suis désolée que tu doives subir ça. Je le fais pour toi. Je veux me reposer. Tu te reposeras. Mais d'abord, tu dois vivre. J'ai besoin de toi. J'ai peur de moi. Arrête. Tu vivras. On se battra. On tiendra bon. Allez, viens. Un enfant. Il a appelé les rats. Ils se sont frayés un passage à travers les murs. C'est le point de départ. De quoi? La peste de Justinien. Il était triste. Il était très triste et en colère. C'est pour ça que la Macula nous a amenés ici. Il doit y avoir quelque chose. Un parchemin... une fiole. Quelque chose. Je vois rien du tout. Aelia. Elle a échoué. Amicia. Elle a échoué, Sophia. J'ai entendu. C'est pas juste. Quand je mourrai... Tu ne vas pas mourir. Je ferai en sorte qu'ils meurent tous. Non, Hugo. Ils n'auraient pas dû mourir. Quand ils l'ont séparé de sa protectrice, il a perdu espoir. Il a cédé à la Macula et il les a tous condamnés. Il a eu raison.
Non, écoute. Si seulement elle avait pu lui dire quelques mots, il aurait su qu'il n'était pas tout seul. Il aurait vécu et épargné beaucoup de vies. Tu comprends? Tu vas vivre. Et moi, je serai là. Je te donnerai la vie que tu mérites. Une vie sans combat. Tu veux ça? On va se trouver un refuge. Ils ont pas vraiment l'air d'accord. Que se passe-t-il? Il faut partir. Ils sont restés là-dedans. Je crois que ça va. Personne n'est blessé. Hugo ? C'était trop horrible. Oui, je suis désolée que tu aies vu ça. La Macula savait ce qu'elle faisait. La Macula sait s'y prendre avec les enfants. Ils l'ont attachée à des chaînes. Oui, mais toi tu vas vivre. C'est ça le plus important. Non, ce n'est pas le plus important. J'ai peur que tous les gens soient aussi méchants qu'eux. Et j'ai peur de ce qu'ils veulent me faire faire. Tu as raison. Écoute, il y aura toujours des gens dans le monde pour faire des choses terribles. C'est dans l'ordre des choses. Mais crois en toi et en tout ce que tu peux faire de bien. Il y a des gens comme ça aussi, pour qui ça compte vraiment, qui veulent que tu aies une belle vie. Des amis comme moi. Les amis, ça sert à avoir envie d'être meilleur. Si tu en doutes, je comprends. Mais aie confiance en moi. Aie confiance en nous. J'ai confiance. On trouvera notre chaînon. Allez, quittons cette île. On a un bateau à récupérer et une mer de rats à traverser avant. Ils ne nous arrêteront pas. Tout est différent maintenant.